Et salut à toutes et à tous, l'AM Company, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans le monde nébuleux, le monde numéro 2 de notre aventure sur Super Mario Bros. Wonder. Nous sommes au palais du mont nébuleux pour ce quatrième épisode. On va en terminer avec ce monde, me semble-t-il, si je ne dis pas trop de bêtises. Avec une difficulté à 4 étoiles, on est parti directement dans le vif du sujet avec une entrée fracassante. J'ai le cœur qui va à 100 à l'heure. Pas de problème. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je rappelle que j'ai comme badge quelque chose qui m'empêche de tomber dans le vide ou dans la lave. À ne pas abuser, bien évidemment. En gros, si je tombe là, hop, ça me permet de ressortir. Maintenant, est-ce que je peux refaire? Ok. Ah, ça, c'est un peu gênant. Je pensais que je pouvais leur marcher dessus. Dommage. Bon, voilà, au moins, vous avez vu le petit test. Donc, voilà qui pourra nous sortir de bien des situations. Par contre, on n'a plus le parachute. On n'a pas non plus... Oh, putain. Comment je fais pour descendre? Mais je peux pas descendre. Alors, c'est gênant. C'est gênant. Voilà, on n'a pas donc le grand saut flottant ou le saut d'escalade. Voilà. Bon, je voulais descendre. Manifestement, manifestement, ce n'est pas possible. Par contre, mourir, ce n'est pas un problème. Donc, on va se concentrer. On va juste se contenter, messieurs, dames, d'avancer. Et se contenter de réussir le niveau. Voilà, tout simplement. Donc, tant pis pour les pièces roses. Tant pis, m'en fous. Ah, attendez. Il y a sûrement quelque chose à faire là. Il y a sûrement quelque chose à faire. Ça, c'est bizarre ça. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Bon, très bien. Je pense qu'il faut pas se poser trop de questions non plus. Ah, c'était pour nous initier à ça, d'accord, ok. Pas de problème. Pas de problème. Déjà un checkpoint? Ok, pourquoi pas. Il n'y avait rien de très compliqué jusqu'ici. On peut récupérer la fleur de savon de Marseille, bien évidemment. On peut sauter sur nos propres bulles. D'accord, ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Vraiment intéressant. Il y a moyen de se faire des escaliers, en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Regardez, tu vois. Par contre, est-ce que je peux avoir ça ou... Allô? D'accord, bah tant pis. Comme d'habitude, on se fout de moi. J'ai l'impression que cet épisode, on se fout de moi. Ma foi. Tant pis. Hop. Voilà, on avance. Ça dégage la racaille. Hop, je vous mets dans les bulles. Ok, 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 ok. Ok, je me suis dit bon. Faudrait quand même pouvoir passer, bien évidemment. Bon, j'espère que ce petit let's play vous plaît. Ah! Merde. À chaque fois, j'ai l'impression que je peux leur sauter dessus. Alors ça, c'est excellent pour le coup. Ça, c'est excellent pour le coup. Alors, attendez, hop. Ok. Ça me fera déjà ça de gagner. Ouh, j'ai eu chaud au kiki. Attends, je peux les casser, je pense. Voilà. Ok, dommage, je peux pas faire ce que je veux. Alors, toi, voilà. Commence même pas à me prendre la tête. Hop. Mais non, mais c'est pas possible. C'est honteux. Voilà. Même pas. Ok. Voilà, voilà. Bon. Plus que 17 vies. Représente la Charente-Maritime, bien évidemment. On est ensemble. Ça va me porter chance. Comme vous pouvez le constater, ça marche plutôt bien. Mais pourquoi je peux pas récupérer ça? Ok, j'ai compris. Mais non. Ça ne veut pas descendre. Mais comment je récupère ça? Mais ils ont pensé... Ils avaient rien dans le crâne, les développeurs? Ou c'est moi qui ai rien dans le crâne actuellement? Ouais, c'est possible aussi. Bon, je vois pas comment faire. Hein. Tu vois, ça, je ne peux quand même pas y aller. Hein? J'ai capté. Attendez. 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 En fait... Oh purée. Oh là. Attends mais ça fait super peur. Mais attends mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi à part pour mourir plus facilement ça? What?
Mais qu'est-ce que c'est ce cauchemar? Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Mais réveillez-moi, je rêve. Bon, ça n'a aucun intérêt de prendre ce truc. J'ai bien compris, on va pas le prendre. Et ça, il est pas facile, hein. Là, ils ont pas menti sur la difficulté. Là, on va éviter de se faire avoir pour la quatrième fois consécutive. Hop, donc la fleur bleue, on s'en fout. Va te faire foutre. Connerie. Voilà. Alors, où c'est que je me suis fait avoir? Ici, je me suis fait avoir, il me semble, je suis pas sûr. Hop, hop. Ok. Ah. Voilà qui est gênant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, ok, ok. Ah mais non, mais on est déjà allé jusqu'ici, putain. On est en train de tout recommencer là. Je sais plus à quel endroit que je me suis fait arnaquer. Ah, c'est peut-être là. Même pas. Là, je suis passé sans problème. Ah. Oh. Ok. C'est certainement là que je me suis fait avoir. Toujours pas. Là, je suis allé super loin avant, n'empêche. Oh, allez, c'est bon, frère. Ah oui, oui, je me souviens où c'est que je me suis fait arnaquer. C'est ici même que je me suis fait arnaquer. Voilà. Alors que j'étais à la fin, je suis sûr, regardez. Mais bien... Ah non, checkpoint. Bon. Ah bah si, c'était la fin. Eh, j'avais foiré juste à la fin. C'est dommage, on aurait pu... En 3 minutes, terminer déjà le machin. Bon. Allez, avec un peu de chance. Voilà. Pas très compliqué, mais je préfère quand même prendre mon temps pour être sûr de bien choper mes bubules. Bonjour, je viens en paix. Bowser Junior. Tiens, vous êtes là, vous? Vous avez grimpé jusqu'ici juste pour jouer avec moi? Ça n'a pas dû être facile, alors je vais être gentil et jouer avec vous. On va jouer à se faire peur. Et avec ma puissance prodigieuse, je vais vous coller une frousse dont vous vous remettrez pas... Avec sa queue là. Alors. Eh mais attends, regarde. Attendez. Ah, je peux pas lui envoyer mes bulles. Dommage. Par contre, je peux contrer ses flammes. Ouais, je peux contrer ses flammes avec les bulles. C'est déjà pas mal. Bon, ça descend aléatoirement cette histoire. Est-ce qu'il faut que je saute dessus ou pas? En fait, j'ose pas. J'ai pas envie de mourir moi. Vas-y, j'essaye. Ok. Et 2-1. Ok, monsieur se retransforme en Rey Mysterio, mon ref, là. Oh putain, quel enfer, mais quel enfer, dites-moi. Quel enfer. Oh. Oh. Alors ça... Oh, allez, dans ta face. J'ai fait exprès, bien sûr, c'était tout calculé, hein, les gars. Ça, c'est mon skill... de PGM. Très pratique ça. Hop. Ah bah c'est bien de la merde. Allez mais saute là. Putain ça saute pas. Hein. Ok. Oh ce que je lui ai mis. Je lui ai mis de ses têtes. Alors là je crois qu'il est vénère. Là on a le vénère ultime. Mais là il peut rien faire. Chaud. Showtime. Showtime. Ah, ça glisse. Vas-y, je te saute dessus. Ok, ça marche pas. Oh, c'est terrible, ça. C'est terrible. Ah, avec cette glu, là, tu peux pas sauter. Voilà. What? T'as vraiment besoin de tes sbires, là, pour me... Pour m'impressionner, là? Il va falloir arrêter, monsieur. Bon, meurs. Voilà. Allez, terminé, bonsoir. Rentre chez toi, va te coucher, va dormir. Il est l'heure, il est tard. Bon. Et voilà. Peach l'a laissé encore une fois s'en aller. Ce qui n'est pas ingénieux, mais par contre, on peut récupérer le prodigieux graine royale. Voilà, la graine royale. Ça, c'est pas mal. Donc, le monde numéro 2 vient d'être bouclé. Waouh. Regardez le château qui se transforme en merveilleux... En merveilleux château. Voilà, tout simplement. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Oh, mais c'est que ça résonne en plus.
Nos héros détenaient enfin la graine royale du monde nébuleux, mais le chemin qu'il leur reste à parcourir est semé d'embûches et de dangers. Sauront-ils surmonter tous les obstacles? Leur utilisation des badges fera toute la différence. Alors je suis pas persuadé, hein. Je trouve que les badges, c'est un petit peu surcoté à mon avis. Hein. Mais bon. Merci à tous, bonsoir, et à la prochaine. Ouais, salut, vous êtes fan de moi, je sais. C'est normal, je suis créateur de contenu sur YouTube et je fais un buzz monumental en ce moment. Donc c'est bien normal. Merci à tous, évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, et encore une fois, merci à Arthur de me permettre, Firestorm, de me permettre de faire cette aventure. Qu'est-ce qui se passe? Utilisons une fleur hélico pour retourner aux îles florales. Ok. Il y a pas mal de vent à cette hauteur, alors raccroche-toi bien. Profitons-en, c'est le principe même. Donc les îles florales, c'est vraiment les îles qui sont au milieu. Et c'est là qu'il y a le boss ultime. Voilà, donc le monde 1 à gauche, le monde 2 en haut. Et le monde principal, ici même. Très bien. Qu'est pas ça? Tu parles beaucoup toi, hein, quand même. Hein. MM, oh, graine royale, fais ton œuvre et chasse un des vilains nuages piranha qui protège Bowser. Allez, on envoie ce truc et on va pouvoir enlever un des nuages. Hop, et 2-2. Donc là, il reste 1, 2, 3, 4 nuages. Ouais, il reste 4 grands nuages. Un bleu, un rouge, un orange, un vert. Très bien. Merci bien. Youpi, ça a marché. Mais du coup, demain, merci du coup de main, continuons comme ça. Prochaine destination, les chutes dorées. Je suis sûr qu'on trouvera une graine royale au sommet d'une de ces chutes. Allons d'abord vers l'est en direction des chutes dorées. Tout à fait, ce que tu viens de me demander de faire précisément. Ok. Vraiment chouette. Du coup, ben voilà, il suffit de regarder la carte. Donc il reste 4 nuages. Donc là, il y a un monde où on va pouvoir débloquer peut-être un... Bon, on va voir. Et tu sais quoi, on va se laisser guider. De toute façon, on a très bien compris comment ça se passait. Eh oui, parce que là, on n'est pas encore sur le monde... Attendez. Ah, je peux pas y aller encore. Course, Wiggler, virée aquatique. Allez, vas-y. C'est relativement chill. C'est notre petit moment détente avant de repartir de plus belle. Arriver avant Wiggler. Ok, pas de problème. Prêt? 3, 2, 1, race! On sait pas dire. Oh merde, j'avais pas vu l'eau. Ouais! Allez, hein. Ça, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. C'est du spectacle hein, que je vous offre, évidemment, c'est pour ça. Allez, pourquoi il va plus vite que moi? Je ne sais pas. Il est con. Il est con. C'est pas grave, on l'aime bien. Allez, hop! Ouais. Trop le seum. Trop le seum. Allez, mais c'est quoi ça? Non mais ouais mais oh, c'est impressionnant, je vais perdre. Allez hein. Je... Alors voilà, coup de dauphin sous l'eau, appuyé sur R. Voilà, on va prendre ce badge. Et vous avez raison, les badges sont quand même très importants, parce que vous allez voir, ça va quand même faire relativement la diff hein. Allez, ça va vraiment faire la diff, regardez bien. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Oh, on n'a pas accès au badge pendant les... Oh putain, c'est une blague. On n'a pas accès au badge pendant les défis. Excellent. C'est du gros foutage de gueule. Bon, allez, c'est pas grave. Let's go! Bon, on passe par en dessous. Là, j'ai pas le choix, je passe par au-dessus. Mais il faut le savoir, quoi. Ouais! Oh, bâtard. Ouais, mais c'est abusé, ça, putain. Abusé. Allez, saute! Go, 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 go! Ça me stresse, voilà, je vous le dis. Oh non, c'est une blague. Oh, c'est infâme. C'est une catastrophe, cette course. Vraiment, hein. Allez, on prend les courants rapides. Voilà. Pourquoi ça me stresse? Il me stresse ce mode de jeu là. Voilà. Rien à péter. Ah non, c'est pas facile hein. Et moi ça me stresse hein. Vous ça vous détend, mais moi ça me stresse. Voilà, allez, fais péter ta fraise là, merci. Voilà, un petit coup de queue, on adore toujours autant hein.
On est en 2023, il serait temps de grandir quand même. Hein. Course Wiggler, ça c'est fait. Du coup, ça nous débloque l'accès. On a réussi, on a battu Wiggler et on a reçu une graine prodige en plus. Hein, mais il est vraiment rapide même dans l'eau. Wiggler n'est décidément pas un adversaire à prendre à la légère. Très bien. On a des petites missions également secondaires, défi badge coup du dauphin. Donc bah voilà, bah c'est justement le badge que je voulais utiliser ici. Donc ça peut être toujours sympa, on va quand même le faire histoire de se détendre encore avant d'entrer dans le nouveau monde. Ça peut être cool. Parce que je suis assez frustré de pas avoir pu utiliser le coup du dauphin. Voilà, là tout de suite ça marche un petit peu mieux, t'as vu. Hop, donne-moi le petit champi. Et là, hop, 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 hop. Voilà, c'est quand même plus agréable. Hein. C'est quand même plus agréable. On est d'accord qu'il m'a pas... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il m'a même pas pris le checkpoint. Alors, sur la Nintendo 3DS, si tu passais au-dessus du drapeau, il te le prenait quand même. Hein. Voilà, je voulais vous le dire. Je fonce, je fonce. Voilà. Non mais frère. Mais attendez. Mais attendez, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Mais non, mais en fait, alors je vous explique. Il faut essayer votre jeu en fait. C'est le mec qui s'énerve. Attends, j'attends. Non. Oh putain. Il faut essayer votre jeu en fait, hein. J'attends, je pars pas assez vite. Ok, ok. Bah là mon pote, si je passe pas, il y a un problème. Ah voilà. Oh putain. Oh le timing de baiser. Allez, rien à péter moi de ton machin là. Oh là, oh là. Au secours. Oh non. C'est injuste. Mais arrête. Mais purée. Suce mon zizi là. C'est bon. C'est quoi ça? Ah c'est abusé quand même. Non franchement. Qu'est-ce qu'il fait lui encore? C'est abusé. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ok, bah je reste ici alors. Ok. Allez. Je vais me faire écraser comme une merde. Oh, oh, oh. J'ai eu chaud au kiki. Allez, je me casse. Il y avait certainement des belles choses à voir en bas à droite. Rien n'a pété. Merci. Hop, allez. Bon. On gagne gratuitement ces trucs là. J'arrive pas à retenir leur nom. J'arrive pas à retenir leur nom là. Bon, enfin bref, ces trucs là, voilà. On a récupéré deux gratuitement quasiment. Maintenant on va avancer parce que clairement c'est tellement bonus et ça me fâche presque. Donc tu as l'air de maîtriser les effets de ce badge. Non 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 non. Sachant que je le porte déjà actuellement, espèce de zizi. Ouais. Comment je quitte? Voilà, regarde le badge, il est déjà équipé. Ah non, rebond salvateur. Ah ok. Bon, je comprends plus rien. Du coup, il faut débloquer l'accès pour accéder au monde là-haut. Là, on a un truc intempérie intemporel, donc c'est secondaire. Rien à péter. Moi, je veux monter là-haut. Voilà. Bah, finalement, j'ai bien fait d'avoir fait les missions, parce que sinon, j'aurais pas eu assez pour débloquer le passage. Comme quoi, hein. Allez, monde numéro 3, les chutes dorées, messieurs, dames. On va découvrir cette zone. Et donc, oui, il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, il reste 4 mondes. Donc, c'est les 4 nuages qui couvrent Bowser, évidemment. Oh, des visiteurs, je vais les accueillir comme il se doit. Pouf. Alors, déjà, ils nous accueillent en nous traitant de pouf. C'est quand même très peu... C'est pas un très chouette accueil, quoi. Ok. On est arrivé. Nous voilà arrivés aux chutes dorées. Si je me souviens bien, une graine royale se trouve au sommet de ces chutes. Si jamais on se perd, on n'aura qu'à consulter la carte. Est-ce que vous pensez qu'à la fin du jeu, il va encore nous expliquer comment ça fonctionne? Non, c'est une vraie question. Dojo du maître. Allez, comme ça, il va nous filer un petit peu de trucs gratuitement. Là, ça fait toujours plaise. Plaise, m'as-tu dit. Oh, je ne m'attendais pas à voir le prince en personne. Bienvenue dans les chutes dorées, Altesse. Êtes-vous prêt à affronter leurs épreuves en cascade? Votre peine ne sera pas vaine. Regardez le sommet des chutes, là-haut se trouve la graine royale, au cas où vous l'auriez oublié. J'ai une idée. Et si on passait des épreuves? La graine royale, tu peux me la donner?
Ah oui, d'accord, si on se passait des épreuves, d'accord. Mais du coup, Poplin, tu veux pas me donner la graine royale? Mais pourtant, tu veux que j'affronte Bowser? Tu pourrais être sympa quand même. Ok. Bon, lui, à mon avis, c'est un collabo. Hein. Lui, à mon avis, c'est un collabo. Hein. Mais bon, au moins, il me donne une petite graine prodige. Enfin, il est complètement con, parce que s'il était capable de me donner la graine royale, pourquoi il voudrait pas me le donner? C'est dans son intérêt. Bon, bref. Pas logique. Alors, c'est un jeu Nintendo, quoi. On a du chemin avant d'arriver au sommet. Assurons-nous d'avoir le meilleur badge pour chaque épreuve, d'accord? Et évidemment, pour que je change de badge, j'appelle moi avec R. Voilà, il me réexplique comment changer de badge. Merci. Alors, pour les épreuves, on a un petit bazar. Je le prends d'ailleurs derrière le bazar. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on a? Graine prodige. Bien sûr que je vais te l'acheter. Il n'y a rien d'autre. Donc, j'achète, évidemment. Ça fait toujours ça dans la poche. Reviens quand tu veux. Qu'avons-nous là? Recherche collective, énigme du vide. Vas-y. Une petite recherche. Alors, je rappelle que dans le monde numéro 2, on avait une recherche et on n'avait pas pu tout trouver. Oh putain, en plus, ça ressemble exactement comme... C'est presque comme dans le monde 2, le début. Bon, on en a déjà un là, ici. C'est déjà pas mal. Ah. Ça va très vite me frustrer. Ok. Et 2-1. Ah. Voilà qui est gênant. Ah. Alors ça peut très vite me frustrer. Oh putain. Arrête. Non, là, il faut arrêter de picoler. Bah ouais, je suis censé faire comment, là? Ok, j'ai capté. J'ai capté, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Hop. Et voilà le travail. Hop. Voilà. Et du coup, une fois que je suis là, c'est une plaisanterie. Oh putain. Mais c'est quoi cette merde? Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Non mais là... je vais commencer à perdre foi. Bon. Oh putain. Oh c'est pas possible. Non là je vais craquer. C'est l'épisode du craquage. Oh. MDR. Ok. Ok. Alors. Il y a forcément un truc là-haut là. Voilà. Ah, c'est pour ça dans le monde 2 j'avais pas tout trouvé. En fait faut actionner plusieurs mécanismes. D'accord. Oh, saloperie. Oh non. Allez hein. Oh non. Non mais c'est une catastrophe. C'est une cata. C'est une catastrophe les gars ce qui se passe. On se fout de moi. On se fout de moi. Ok. Hop. Oh bien ça. Y'a peut-être des trucs encore là. Bien sûr. Ok. La quatrième. Ou pourrait bien être la dernière, je ne sais pas. Mais potentiellement tout en haut. Ah. Et bah je vais tenter un coup de bluff. Voilà. Ça régale. Superbe. Oh. Let's go. Ok. Oh magnifique. On les a toutes eues. Oh je suis fier de moi. Limite j'ai envie de retourner dans le monde 2 pour retrouver la graine prodige. Bon du coup ça servirait à rien. Parce que c'est pas la même graine prodige. Mais limite j'aimerais retourner dans le monde 2 pour maintenant que j'ai compris les mécanismes. Ah c'est assez intéressant en vrai. Épreuve du balai. Là il faut débloquer avec 4. Donc j'ai pas assez. Donc du coup on va se faire cette épreuve là pour récupérer la quatrième graine prodige. Et pouvoir débloquer donc. Voilà le chemin. Allez. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes là encore? Voilà, voilà. Oh, c'est nul, putain.
Ah, dommage. Allez, et toi, tu... Éclaté au sol. Éclaté au sol, mon pote. Comment je vais faire pour... Ok, je sais. Oh non, bah non, je voulais récupérer ça. Je voulais récupérer sa carapace. Alors, bon, ils ne bougent pas, ils font que de sauter, en fait. Est-ce qu'ils descendent ou pas? Non, ils descendent pas, ils font que monter. Alors, comment faire pour que lui, il monte? Ah, comment je fais? Eh ben, on fait ça. Cherchez pas, j'ai la solution. C'est une blague? Bon, j'ai rien compris. Bon! Oh là là. En plus, il saute aléatoirement, c'est un enfer. Ah! Bon, lui, il va me venir dessus. Vas-y, viens, frérot. Tu vois pourquoi il vient pas? Oh putain! Eh non, mais c'est pas possible, ma parole. Attends, je vais me venger. Voilà. Chais. Hop! Voilà! Attends. Ah, il saute en même temps que moi? Dans la vie, tout est question de rythme, tu sais. Dans la vie, tout est question de rythme. Ah, je viens d'apprendre un truc. Ok. Il saute en même temps que moi. Bah oui, je devais le savoir, ça. Eh ben attends, regarde. Voilà. Je suis un génie. Ok. Alors, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, ça. Oh là 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 là. Ce qui se passe, c'est que c'est de la merde. Oh bien, ça. Ah, bien. Ok. Vas-y, saute. Encore. Encore. Voilà. Ah, c'est intéressant, finalement. J'adore changer d'avis. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. Encore. 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 Ah, ça, ça va être chiant. Rien de prodige. Allez, let's go. Oh, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Même sans terminer le niveau, maintenant, on peut continuer. Mais on va quand même... Oh putain, let's go. J'ai eu le toit, j'ai eu le sommet, et bah ça nous fait en plus deux belles graines prodiges, je suis trop content, je suis trop refait. Oh, je suis trop refait. Ok. Épreuve du balai des mondis, ça c'est fait. Donc j'ai 5 graines prodiges. Ok. Oh, j'ai même le droit à une sixième là. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas perdu la face devant tous ces piquants, votre courage est admirable. Pouf! Merci pour cette expertise. Intermède, hors d'atteinte, vas-y. Mario travaille en tant que plombier avec son petit frère Luigi. Je croyais que c'était pas un plombier à la base. What? Mais Mario, c'est pas un plombier normalement. Ah, je me demandais ce qu'il fallait que je fasse. Mais maintenant, je commence à comprendre. Voilà. Tada! Ok. Ouais! Alright! 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 Excusez-moi, je suis en train de craquer. Évidemment. Allez! Impeccable! Est-ce que maintenant on peut arrêter d'être distrait? Et on va pouvoir du coup passer aux choses sérieuses. Voilà, on va pouvoir débloquer ça. Quel est ce niveau? Oh, c'est un niveau spécial, visiblement. Oui, défi badge du maître grand saut accroupi. Oh, on va découvrir un nouveau badge. Ça, ça me plaît. J'aime bien découvrir des nouveaux badges. En plus, on peut mourir à l'infini. C'est pas un problème. Alors, accroupissez-vous pour charger de l'énergie et sauter plus haut que d'habitude. Ah ouais. Et ça m'affole ou quoi, là? Plutôt que faire un saut comme ça, ou comme ça, carrément, tu peux faire ça. Oh là là, légendaire. Et attends, quand t'es grande, à mon avis, tu vas encore plus haut. Attends. Oh, même pas.
Ouais. Oh, le poireau. Je vais te dégorger, moi, tu vois. Attends. On est obligé d'attendre longtemps ou pas? Non, même pas. Oh, putain. Ah non, dommage. Ah bah si, mais c'est pas grave. Attendez. Voilà. Oh non. Trop de la merde. Bien évidemment. Allez. Eh ben c'est bien nul. C'est bien nul. Mais c'est pas grave comme bien. On peut mourir. Là c'est vraiment pas un problème. J'ai 17 vies. Et sur les défis badge on ne perd pas de vie. Donc c'est vraiment pas un problème. Bon là je comprends pas. Je comprends pas comment faire pour passer ces poireaux de mort là. Comme ça tout simplement. Voilà. Faut réfléchir des fois. Tout est une question de rythme. Hop, pas de problème. Voilà. Ah oui. C'est pas mal comme badge. Maintenant, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'on peut pas combiner les badges durant les parties. Donc faut toujours choisir un badge. Et en vrai, c'est... Oui, quand tu joues en multijoueur, c'est pas un problème. Mais en solo, faut que tu choisisses le bon badge. Et en vrai, ce badge est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il serait toujours utile? Ça, je suis pas sûr. Ouais, bon. C'est un échec, là. C'est vraiment un vrai flop. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on récupère notre grain prodige, évidemment. Et on a pu débloquer ce badge. Bah, on va l'équiper. On va l'équiper pour voir si vraiment il a un intérêt... S'il a un intérêt. Dans le niveau qu'on va faire. Du coup, là, il va nous demander si on le veut. Voilà. Je peux m'en équiper. Bonne idée. On s'est bordé. Et on continue. Eh ben non, il va encore me parler, lui. Maître Poplin, tu sers à rien, sachez. Sache-le. Savez-vous seulement combien d'années il m'a fait pour maîtriser cette technique secrète? Enfin, la prochaine épreuve devrait vous donner plus de fil à retordre. Pouf. Mais tu sers à rien, toi. Va combattre Bowser, non? Épreuve intermédiaire de poursuite verticale. Ok. Allez. Ça, c'est les bêtes qui vont nous saouler dans pas longtemps. Une course verticale. Donc, je rappelle qu'ils sautent quand on saute, hein, les trucs. Sauf ça, à la limite. Ça, je sais pas ce que c'est. On va faire un test. Ok. Ça sert à rien. Hop. Oula. Bon, je suis passé à côté de la pièce mauve, mais c'est pas grave. Donc là, ah oui, là, ça peut être très utile. Ah ouais. Bon, là, en l'occurrence, le badge est utile. Ouais. Attends, parce que... Ok. Et si je fais un big jump, est-ce qu'il fait un big jump? Même pas. Oh. Oh. Ok. Ah, il s'enfuit. Attends. Ok. Je pourrais avoir un petit champi là? C'est trop demandé. Putain. Oh. Ah, j'ai vu un tuyau, j'ai foncé tête baissée. Hein. C'est mon petit côté plomberie. Oh. Ok. Et comment tu fais là? Ah, voilà. C'est bon, j'ai la strat. Oh, on a fini. Excellent. Excellent. Bah, je pensais pas qu'on finirait si vite. Bon. Merci monsieur. Bon, on en a juste loupé une. Allez, ça c'est fait. On continue notre ascension. Putain, ça va vite en vrai. Oh, mais lui nous fait perdre du temps. Le bois dans lequel vous êtes taillé est plus robuste qu'il n'y paraît. Mais à partir d'ici, les épreuves vont se corser. Préparez-vous bien. Mais tu sers à quoi, toi? Sans déconner, il est pas pour le bien commun, lui. Hein. Lui, on sait pour qui il vote. Hein. Ok, épreuve des bondisses en boîte 4 étoiles. Et même la 3 étoiles pour l'épreuve du ciel sucré étoilé. Vas-y. Juste pour la peine, on va se le faire là, ce sucré étoilé là, tu vas voir. On va en faire qu'un là de ton sucré étoilé. Hop.
Les gars, je fais comment? Oh non. Eh ben, ce fut très rapide. Alors, tu vois, là, je pense qu'il faudrait le parachapeau. Pour être très honnête. Ça peut être plutôt pas mal. Regardez, genre. Hop. Tu vois, c'est déjà plutôt pas mal. Un petit champi. Hallucinogène, bien sûr. Très important. Bon, t'as vu, le plus important, c'est de terminer le niveau. Oh, putain. Ah, par contre, ça. On prend quand même. Maintenant, pour le reste... Oh là là. Ah! Mais purée de merde! C'est pas possible! Je suis en train de perdre mes vies, là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mon niveau est phénoménal. C'est génial. Je kiffe. Allez. Arrête de faire le con, Mkolo, là. Concentre-toi un peu. Tu sais que les enfants, ils arrivent à mieux jouer que toi. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Ok. Oh non. Oh, j'ai eu chaud. Ça, voilà. On prend quand même. Mais comment j'ai fait pour me faire arnaquer, là? Ah bah oui, d'accord. Et ça m'affole. Hein. Ok. Oh là 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 là, l'enfer. Allez. Ok. Tout est une question de timing. N'est-ce pas? Ok, on peut casser ça. C'est une blague. Mais tu sors d'où, toi, enculé, là? Je l'ai pas vu venir. Oh, il sort d'où, là? C'est des missiles Predator, les trucs. Bon. Ça part dans tous les sens. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Arrête. Arrête. Oh là là. Oh là là. Oh purée, il n'y a pas de checkpoint. MDR. MDR, c'est bon. Oh là là. Oh, j'ai eu chaud, Kiki. Eh, à deux doigts de péter un plomb. Cet épisode, je sais déjà ça va être quoi le titre. Je pète un plomb, quoi. Bon, on a raté une graine, mais c'est pas grave. Quand tu vois la tête des graines, là. Ok, une bonne chose de faite. En effet, c'est de plus en plus dur, il avait pas menti. Là, on peut débloquer aussi une graine prodige. Alors, si tu parles à chaque niveau, tu m'étonnes que le jeu va durer longtemps. Je m'en fous de ta vie. Et je vais le goumer, lui, hein. Là, il faut 10 graines prodiges. Donc, j'ai juste à faire un truc, genre ça. Voilà, j'ai juste à faire ça et ça me suffit largement. Allez, go. Course minutée. Pas de problème. Hop. En avant. En avant. Oh, bon. Oh, purée. Ok, c'est un timeout. Ok, voilà, on peut remettre le chrono. Rien de bien compliqué. En général, quand je dis ça, c'est après que ça part en cacahuète. Ça va, il y en a partout. Oh! Oh non! Oh non! Pourquoi? Ok, c'est bon. Ce monde est cruel. Allez! Ça régale. Et en vrai, c'est cadeau. Hein. En vrai, c'est cadeau. Est-ce qu'il va faire un commentaire l'autre? Même pas. Cool. On va pouvoir débloquer le niveau. J'allais dire le niveau final, mais pas du tout. Pas du tout. Il s'agit, messieurs, dames, de l'épreuve finale de vitesse sur rail. Épreuve finale. Comment ça, finale? C'est pas la fin du monde. Ok. Vous voilà à l'épreuve finale. Sa véritable arrivée est cachée. Trouvez-la et vous aurez réussi. Et si je peux vous donner un conseil, regardez bien où vous mettez les pieds. Ça pue. Moi, je vous le dis, ça pue largement. Attention à où vous mettez les pieds. Ok. Oh là là. Oh là là.
Oh là là. Mais putain. Arrête. C'est atroce. C'est atroce ce jeu. C'est... Oh là là. Alors là je vais reprendre Rebond Salvatore. Comme ça si jamais je tombe dans le vide, j'ai une chance de m'en ressortir. Là c'est beaucoup trop important là. Ouais tais-toi toi. Bon. Hop. Le champi. Hop. 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 Oh bien ça ce que je viens de faire. Magnifique move de la part du joueur. Ok, qu'est-ce qui se passe encore? Ça va être une dingue. Wesh. Quoi? Wow. Impressionnant. Hyper vitesse. Ok. C'est très agréable, la manette elle vibre dans tous les sens. Superbe. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Ok. 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 Bon, mais moi ça me fait plaisir. C'était très bizarre, fallait se laisser un peu guider sur la fin. Ok. Je sais pas si vous avez bien aimé cette épreuve. Je l'ai trouvé original pour le coup. Mais alors là, du coup, il faut aller où là? Est-ce que ça me débloque le chemin en haut peut-être? Ah oui. Ah, voilà. C'est pas fini. Manoir de la graine royale. Quoi? Mais à chaque fois, on dirait que c'est la fin, mais c'est pas la fin. Je comprends pas. Manoir de la graine finale. Quoi? Vous avez atteint le sommet des chutes dorées. Cela signifie que vous avez réussi l'épreuve finale. Félicitations. Mais alors, ça veut dire que... Eh oui! Quoi? C'est avec fierté que je vous confie la graine royale! Mais non! Genre, y a pas de boss à affronter, là? Oh, c'est sympa, ça! Ah ouais, putain! Et le monde 3, c'est le monde chill, en vrai, hein! En un épisode, là, on a tout torché, là! Carré dans le Binx! Ça veut dire que là, au début de l'épisode, on a enlevé un nuage, et là, on va en enlever un deuxième dans le même épisode. Donc on est à la moitié du jeu puisqu'on a, on enlève 3 nuages et il en restera 3. Avant de battre le boss final Bowser. Ouais. Ouais. Les filles adorent être au top. Ok du coup. Oh, l'hélicoptère. On s'est mordi hein, l'hélicoptère. Ouais, on retourne aux îles. Oui, il y a du vent là-haut, je sais. Trop bien. On retourne aux îles florales. Ouais, donc voilà. Les 3 mondes du dessus, c'est fait. Il y aura les 3 mondes du dessous encore à faire. Plutôt pas mal. Du coup... Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, vas-y, fais péter. Oh, genre, tu me fais pas ton dialogue... il me fait pas son baratin habituel. Excellent. Alors, il va enlever lequel? Il va enlever le rouge. Donc, il restera plus que le orange, le bleu, violet et le vert. Et là, Bowser, il commence à... À être un peu affaibli, petite vermine. Cessez immédiatement d'attaquer mes pauvres nuages piranha qui ne vous ont rien demandé. Grrr, ne criez pas victoire trop vite et écoutez ça. Oula. Oh, il est pas content. Et il s'est pris pour un rocker? Hé, les préparatifs de mon grand, de mon énorme prodige suivent leur cours. Plutôt que de lutter, vous feriez mieux de vous réjouir. Oh, j'en peux plus. Bon. Voilà, une bonne chose est faite. On va pouvoir se diriger vers le monde 4. De trouver les autres graines royales. On doit récupérer 3 graines royales. Donc le désert cuisant, les mines fongiques et le volcan végétal. Tout à fait. Et pour une fois, il me laisse choisir où je veux aller en premier. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Dans tous les cas, les accès sont verrouillés. Vous avez vu, il en faut 10, là il en faut 12, et là j'imagine qu'il en faudra plus 15. Oh mon dieu. Bon, donc dans tous les cas, va falloir qu'on fasse pas mal de niveaux pour pouvoir continuer. Donc on va quand même devoir faire ça. Il n'y a rien d'autre là-bas?
Non, ça c'était rejoindre un stage. On peut chercher un stage spécifique. Attends, et là c'est quoi? Le saviez-vous? Il vous est possible de paramétrer les commandes? Mais non. Bien sûr, on le sait déjà. En fait, on peut rechercher un stage en faisant ça. Tac. Et on peut rejoindre le stage à tout moment. Un stage qu'on a déjà fait, en fait. D'accord. Ah non, pas forcément. Ah si, si, on les a déjà fait, ceux-là. Attendez. Laissez-moi être sûr. Oui, oui, c'est tous les stages qu'on a déjà fait, du coup. Ok. Eh ben écoutez, on va quand même faire intempérie intemporelle, juste ici. Histoire qu'on récupère c'est le mot que je répète tout le temps, mais j'oublie son nom à chaque fois. Bref, le truc royal. Ouais. Allô? Merci. Ah, le retour de l'éléphant, c'est un éléphant. Oh, c'est mignon. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qui en a le plus, il a gagné. Si vous aussi, vous avez été matrixé par cette pub, si vous êtes de la génération 2000, on se comprend, bien évidemment. On est ensemble. Et vive la génération 2000, hein. Ne vous laissez pas faire par les 99. On les embrasse, d'ailleurs, les 99. Mais tout de même... Voilà. Par contre là j'ai pas le badge parachute et j'aurais bien aimé l'avoir. Comment je fais pour descendre? Là c'est pareil, regardez comment je fais pour descendre les gars en vrai, très honnêtement. Là c'est les trucs que je me demande, comment tu fais pour descendre? Je comprends pas. Comment on peut descendre? C'est bon, je sais, j'ai trouvé. Oh genre, je peux pas. Non mais là c'est impressionnant. Peut-être si je vais plus bas. Ah non. Trop le seum. Bon bref. Hop. Hop. Attends, il y a un truc là. Ah, à la fin on voit une carapace de tortue. Eh, je commence à comprendre le jeu. Regardez. Bougez pas. Hop. Et voilà. Ça valait le coup, non? Il faut de la flotte. Hop. Voilà. Tu nages bien, merci, c'est normal. J'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petit. Et voilà. Pour la petite anecdote, ça fait toujours plaisir. Hop là. Hop, petit coup de trompe bien mérité. Ah, on peut pas aller dans le tuyau là? Adieu. Attends. Mais c'est quoi cette merde? Mais attends, faut aller où là? On peut pas aller dans le tuyau. Ah! Oh les coquins! Ok. Les petits kalimbas. Petit marimba, très bel instrument de musique. Hop. Ça sent l'orage. Ah. J'ai m'envolé. Oh là là, l'éléphant qui s'envole, c'est que l'orage est violent. Enfin, c'est que la tempête est violente. Hop. Quoi? Ah, il faut que j'évite les... Oh putain. Ok, faut éviter les éclairs. Oh non. Je suis allé en plein dedans, j'ai eu de la chance. Ah, je défonce tout le monde, rien à péter. Encore. Impressionnant. Impressionnant. Et ben voilà. Graine prodige obtenue. Rebonjour. Rebonjour. Hop. Merci madame. Rebonjour.
Du coup, je suis en train de penser que si on fait un monde par épisode, eh ben, épisode 7, on aura fini l'aventure, genre, à peu près. Si je dis pas trop de conneries. Allez, on s'est parti. Ouais, je pense que ça devrait durer 7 épisodes, notre petite aventure. Bon, alors, c'est des épisodes assez conséquents, c'est sûr. Mais une petite heure par monde. Et après, évidemment, le boss final et toutes les péripéties qui vont nous arriver au fur et à mesure, ça, c'est clair et net. On a eu les deux graines prodiges. Voilà, graines prodiges. Il faut que je retienne ce mot, bordel. C'est compliqué. Hein. Compliqué. Du coup, là, sur moi, j'en ai 11. Ce qui est d'ailleurs suffisant. Bon, là, il y a un niveau là. De toute façon, j'ai pas le choix de le faire. Pour accéder à la suite. Caverne aux joyaux. Eh ben, écoutez, on va terminer cet épisode avec la caverne aux joyaux. On aura fait beaucoup... Beaucoup d'épreuves sur cet épisode. Autant vous dire qu'on a charbonné là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, super. Ouais, bon, là, faut arrêter, hein. Je t'ai libéré. Hop, hop, hop. Là c'est pareil, je vois pas comment faire pour pouvoir descendre. Si, il faudrait réussir à manipuler ce truc là, mais je sais pas comment ça marche. Est-ce que là il me charge ou pas? Mais non. Ah, je sais pas comment faire pour le guider. Ah, mais c'est chiant. Oh, c'est ultra chiant. Eh oh. Oh, oh là 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 là. Oh, oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Hop. Ok. Ah ok, là je vais pouvoir le l'attirer là. Allez. Un bonheur, évidemment. Mais pourquoi j'ai coup de dauphin, frérot? Moi je veux parachapeau. Pourquoi il met un badge qui n'a aucun rapport? Ah, je comprends pas. Allez, je rush parce que là, c'est insupportable. On se fout de ma gueule. Ah ouais, le parachapeau, il est quand même pas trop mal, ça. D'accord. Eh oh, venez voir les copains. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, il y avait le checkpoint juste derrière, tu sais. De toute façon, je me foire toujours quand il y a le checkpoint pas loin. À quoi ça sert, ça, du coup? Oh, c'est une foreuse! Mais non. Excellent. Alors, ça, c'est cheaté, ça. Oh, c'est trop cheaté. J'adore. Et du coup... Ok. Moi j'aime beaucoup. Alors... Ok. Ok. C'est un Tetris le bordel. Allez viens frérot. Au secours, au secours. Quoi? Oh merde. Ok. Oh là, je le veux là. Mais j'ai trop mal fait. Mais comment tu pouvais que je récupère? Allez. Voilà. Donc c'est pas bien grave tout ce qu'on a perdu du coup. Ça valait le coup. Franchement, là le but c'est de ramasser un maximum de graines prodiges, hein. Là c'est indéniable, c'est vraiment l'objectif. Par contre là tu vois, là je peux pas monter, mais si j'avais le badge qui permet de faire le saut super haut, je pourrais. Mais malheureusement je ne l'ai pas, parce que j'ai préféré prendre le parachute, donc c'est vraiment dommage. Après c'est fait exprès, mais oh. Oh. Oh.
Attendez. Ah non, bah ça change rien. Je peux quand même pas faire... Ah, je pensais que j'aurais pu. J'ai le seum. Oh non, c'est quoi cette histoire? Ok. Dommage. Dommage, Thomas. On aura essayé. Et attendez, c'est pas fini parce que là, je peux très bien mourir là-dessus. Ok, c'est bon. Hop. Et voilà. C'est sur cet arrêt prodigieux que nous allons arrêter notre petite heure d'épisode. Quatrième épisode plutôt sympathique, franchement, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, j'espère que vous vous détendez. En mode chill and relax devant cette petite aventure. En tout cas, n'oubliez pas le like. Et à très vite, c'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Je bégaye, c'est incroyable.